Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les grenades fumigènes de chez Nolaguet, les EG18. Alors ces grenades m'ont été envoyées par le magasin Shootgame, vous pourrez les trouver sur leur site au prix de 9,90€ en coloris bleu, blanc, rouge, vert, violet, jaune et orange. Donc ça fait quand même un sacré panel de coloris pour des fumigènes, c'est assez intéressant. Elles sont annoncées pour une durée de 120 secondes. Ce qui est totalement utopique. Vous ne pourrez pas tenir 120 secondes avec ces fumigènes-là. Moi, en tout cas, j'en ai balancé 3. Il n'y en a aucun qui a tenu aussi longtemps. Cela dit, ça reste quand même de bons produits, je trouve. Ça fait un panache de fumée assez dense en peu de temps. On connaît tous les énolagués d'ancienne génération. On en a tous déjà vu sur le terrain. Niveau densité de fumée, je dirais que c'est à peu près deux fois ça. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, ça fait une belle fumée et ça peut être sympa pour couvrir une retraite, ou attaquer un objectif. Alors, ça reste des objets pyrotechniques, donc c'est quand même dangereux. Sur les deux fumigènes blancs que j'ai balancés, il y a quand même une flamme de 30 cm qui est sortie pendant quelques secondes. Donc voilà, si vous êtes dans un milieu sec, évitez de le balancer sur de l'herbe ou des buissons, ça pourrait être dramatique, ça pourrait faire vraiment de gros incendies. Donc. Je dirais d'utiliser ça plutôt dans un endroit où ça peut pas cramer, genre des CQB, des trucs comme ça, ça peut être vraiment super intéressant. Donc on va passer maintenant au fonctionnement. C'est tout simple, vous retirez la capote, vous avez votre goupille, vous la tirez sur le côté, mais bien sur le côté, comme ceci. Si vous la tirez comme ça, vous risquez d'arracher l'amorce qui met le feu aux poudres. Et donc ce serait problématique. Néanmoins, vous avez quand même une mèche pour l'allumer au cas où. Donc voilà, gardez quand même un briquet sur vous si vous utilisez ce genre de produit. Mais voilà, c'est très intéressant d'utiliser ça en partie. Moi, à chaque fois que j'en ai claqué un, ça a été décisif. Après, le tout, c'est de le balancer au bon endroit et au bon moment. Mais voilà, c'est quand même très utile en partie, notamment par exemple sur les parties à objectif ou sur des OP, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc voilà. J'ai fait le tour, cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à laisser un like si vous avez aimé ou si ça vous avait été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a vraiment pas mal, je reprends vraiment de l'activité, donc il y a vraiment pas mal de trucs qui sortent en ce moment. Et je vous invite également à me demander un ami sur Facebook ou maintenant sur Twitter pour pouvoir parler de si vous avez un truc à demander, ce sera quand même bien plus pratique que sur YouTube. Donc voilà, je vous dis ciao!